Allez, salut à tous les amis, c'est Learn to Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Black and White 2. Et c'est la toute première fois que je tourne un dimanche soir à 22h, oui. Parce que j'avais envie de fêter un truc. Juste avant de faire la vidéo, j'ai posté sur la chaîne le test micro. Pour savoir si ça marche sur mobile, sur téléphone mobile, parce que je vous rappelle, hein, vous n'êtes pas sans savoir que évidemment depuis que j'ai mon nouveau micro, c'est-à-dire depuis Noël, vous avez tous des problèmes pour lire mes vidéos sur mobile, sur YouTube. J'arrive pas à trouver mes mots. Je suis concentré, j'essaie de viser juste les samouraïs sans tuer mes propres villageois, parce que là depuis tout à l'heure je me fais attaquer. C'est bon, c'est nickel. Bon voilà, comme ça je vais pouvoir parler tranquillou. Depuis Noël, voilà, vous n'entendez pas le son du micro sur mes vidéos. Vous entendez bien le son du jeu, mais pas le son de mon micro. Ça grésille, c'est inaudible. Bref, c'est voilà, c'est juste pas regardable du tout. Du coup, bah moi au début je m'étais pas trop penché sur la question, à part à un moment il y a quelques semaines où je croyais avoir trouvé avec un ami, on croyait que c'était un problème de gain audio, on avait testé, alors on ne sait absolument pas pourquoi, mais ça avait marché sur la vidéo que j'avais postée, qui s'appelait test micro, problème résolu, exactement comme celle que je viens de poster juste à l'instant. Et ça a marché, on avait augmenté le gain audio de 8, je sais plus pourquoi il avait regardé une vidéo, bref, et apparemment ça marchait. Bon. Pour le coup, on s'est dit, ouais, c'est résolu, mais avec les autres vidéos que j'ai postées juste après, que j'ai uploadées, hein, les différentes séries et les vidéos détentes, eh bien, ça ne marchait toujours pas. Mais qu'est-ce qu'ils ont, putain, mais ils sont excités, les Japonais, là, ou quoi? C'est... Bon, attendez, je m'en occupe, 2 secondes, allez, 2-3 paires de baffes. Je vais faire des archers, vous inquiétez pas. Je vais en faire de ce pas. Voilà. Personne n'est passé, non, c'est nickel. Ils sont toujours là. Bon, la nécessité étant de faire des archers. Voilà. Donc, je reprends mes explications. Il se trouve que... Voilà, les autres... Les séries... Enfin, le son ne marchait toujours pas. Voilà, même en faisant le gain, ça ne marchait pas. Du coup, aujourd'hui, cet après-midi plus précisément, j'ai planché là-dessus. Avec Yanamu, hein, parce que lui, si vous voulez, il a un téléphone. Moi, mon téléphone, il est trop vieux, il peut pas lire les vidéos sur... Enfin, si, il peut, mais c'est payant, et puis en plus, c'est trop pourri. Donc, voilà, Yanamu m'a servi de... Enfin, pas de cobaye. Enfin, si, de cobaye. Si, si, m'a servi de cobaye. En gros, avec son téléphone, et on était, voilà, sur TS, et puis on testait. J'ai uploadé pas moins d'une trentaine de petites vidéos, voilà, pour tester. Et on a planché pendant 4 heures dessus, sans rien trouver, jusqu'au moment... Où je suis allé poster, on est allé demander à quelqu'un sur le TS, il nous a dit de poster une question sur le forum d'aide Google ou YouTube, bref c'est la même chose. Et au final, il a eu raison puisque j'ai trouvé un mec qui avait exactement le même problème que moi. Bon, pas tout à fait avec le même micro que moi, mais bref, c'est quasiment la même chose. Et en plus, à 4 heures d'intervalle, si vous voulez. Au moment où j'ai voulu poser ma question, il venait de poster son problème sur le forum d'aide 4 heures avant, quoi. Et donc j'étais là, waouh, mais c'est n'importe quoi, comment ça se fait et tout, mais c'est fou, c'est une grosse coïncidence. Et heureusement, il y avait un internaute qui répondait, qui avait l'air bien calé justement sur la question. Je sais pas s'il était chez Google, mais en tout cas, voilà, il était assez calé sur ce genre de questions. Et du coup j'ai posé ma question, ça fait beaucoup de fois le mot question, et il m'a répondu du style 30 minutes après, et il m'a donné la solution. Et la solution, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, eh bien fallait tout simplement c'est simple, sur Audacity c'est pas très compliqué, il vous suffit de passer la vidéo en mono au lieu de stéréo, parce que ça peut créer des problèmes vu que les téléphones, je m'étais jamais posé la question mais ça me paraît un peu évident, les téléphones n'ont qu'un haut-parleur, alors effectivement ça peut poser des problèmes en stéréo, et je ne le savais pas avec les microphones XLR. Donc du coup, maintenant je le sais dorénavant, voilà. Donc toutes mes vidéos seront en mono du moment que j'enregistre avec mon micro sur pied, ce qui est le cas maintenant. D'ailleurs, cette vidéo permettra d'être utilisée comme test aussi pour être sûr et de confirmer si ça marche vraiment.
avec un jeu, et là, bah, ce sera le pire bonheur, trop de bonheur. J'aurai enfin résolu ce problème qui m'a bien fait chier, il faut le dire. Il m'a fait chier, mais jusqu'au bout, le bug. Hein. Ah là là, mais en tout cas, je vais pouvoir dormir sur mes deux oreilles maintenant. Heureusement qu'il y avait ce forum. Hein. C'est vrai qu'on pense pas forcément à aller sur les forums, mais ça peut être très utile. Et là, pour le coup, je me suis dit, non, mais c'est le forum net de Google. Genre, mec, il y a je sais pas combien de personnes qui posent des questions. Il y avait genre une chance sur je sais pas combien qui me répondent, quoi. Et au final, ils ont répondu. Et voilà, et au final, ça a résolu mon problème. Et j'en suis très content. Donc, si jamais vous rencontrer des difficultés sur YouTube, eh bien, n'hésitez pas à aller sur le forum d'aide de YouTube. Voilà, donc, parenthèse fermée, on va pouvoir commencer la vidéo. Dis donc, les Japonais m'ont l'air un petit peu excités aujourd'hui, c'est fou, il y a déjà, regardez ça, ils sont, il y a 4 escadrons, puis il y a le tigre, là, le tigre du swag. Le tigre du swag qui je sais pas ce qu'il branle, il se gratte la barbe. Et il court dans le vide. Wouah, le tigre bugué. D'accord. Faut pas que j'oublie, mais j'ai mes samouraïs de la mort qui tue qui attendent là-bas comme des péglants depuis je sais pas combien de temps. On va aller les rameuter par ici. Histoire qu'ils prennent un petit peu d'XP. Mais faut faire gaffe parce que là nous avons déjà 3 escadrons plus un 4ème qui se ramène. Je sais pas pourquoi là, ils ont l'air d'être un petit peu excités. Bon, on va peut-être construire un minimum histoire de voilà de s'étendre. Pour essayer de terminer ce royaume un jour. Tac. Ouh là là, les maisons sont un tout petit peu bancales, hein. Le truc là, c'est que je vais pas pouvoir. Ah, ce serait bien que. Yes. Il faudrait juste. Ah voilà. Pardon. Juste un petit arbre pour construire cette maison. Voilà. Et petit à petit, vous allez voir que ça va s'agrandir. Ok. Et flûte, j'ai pas assez de bois. Bon, après ils s'en occuperont. En fait le truc que je cherche à faire, c'est de rejoindre le chemin qui est la route qui est juste là-bas. Ce serait cool. Bon là ils vont pas être contents. Gna 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 gna. Faudrait que je construise un deuxième temple peut-être. Et puis après on va s'occuper de l'université. Le bain ici est fait. On va pouvoir le décorer. On va pouvoir le décorer quand ils veulent. Alors par contre ici. Est-ce que je peux continuer la muraille? Non, je peux pas. Le truc, c'est que ça va poser problème. Ah, voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Donc, du coup, normalement... Ouais, voilà, j'ai la masse de minerais. Piou! C'est plein, là, c'est 18 000 de minerais. Ah, d'ailleurs, Wolfgang, faudrait peut-être que je m'en occupe un de ces jours. Voilà, mais du coup... Non, ici, je mettrai pas de porte. Voilà. Oula, bon, c'est pas très joli, je vous l'accorde, c'est un petit peu buggé même. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Du moment que c'est fermé et que ces putains de japonais de mêleux rentrent pas. En plus là, je vous ai fait plaisir, hein, la garnison de l'archer, de l'infini, 69 gaillards armés jusqu'aux dents qui déglingueront du samouraï japonais. Ici, je sais pas ce qu'ils foutent, mais bref, ils vivent leur vie, ils sont dans les champs qui sont un petit peu noirs, c'est étrange. Plutôt étrange. Bon, on va les aider à construire. Et ensuite, on ira décorer les bains. En attendant, Wolfgang, eh ben, Wolfgang, il se fait chier, il ramasse du bois. De toute façon, il a que ça à foutre de sa pauvre vie. Non, je sais, c'est méchant. C'est méchant. Oulala, 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 oulala. Ça me fait moins de prestige. Ouais, what the fuck. Oui. Alors pourquoi ça me fait moins de prestige? Ah putain, les routes. Ah, c'est pas normal ça. Mais pourquoi ça me fait moins de prestige? C'est étrange. Étrange. Il faudrait un temple. Ou une putain de construction de ce style. On va se faire une deuxième auberge. Non mais la deuxième auberge. Ah non mais la deuxième auberge c'est encore pire. Hein. Pourquoi j'ai... C'est bizarre ça. Pourquoi je perds du prestige en cette zone? Alors mystère. Hein, ça, on va foutre des fontaines ici. Voilà. Un havre de paix. On va prendre des arbres d'ailleurs.
Voilà. Alors lui, il rechigne pas. Bon, il veut pas. J'ai compris, il veut pas. Ah non, elle a non plus. Eh les gars, s'il vous plaît, là, vous savez planter des arbres. Oh! Le droit le plus moisi du monde. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, déjà, ça fait un coin assez joli. On va choper. Oups. C'est pas grave. Voilà. Parce qu'ici, ils servent à rien, les arbres. Et voilà. Voilà, c'est plus joli comme ça. Vous voyez, avec un petit peu d'arbre... Oh, putain, le lierre, il pousse... pousse autour, c'est marrant, vous avez vu? Il y a même des fleurs et tout. Bon, c'est son tergiversé, faudrait peut-être avancer, bon. Voilà, 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 ça fait 45 de prestige, sauf que ça va m'en faire perdre. Ouais, ça c'est problématique. D'ailleurs, on va pouvoir faire une mission. Aujourd'hui, on va faire la mission de l'archéologue. Et je vais encore me faire insulter par Yanamu parce que je sens que je vais pas me rappeler. Ah oui, non, c'est ça, oui. J'avais tué... Je m'en souviens juste à la fin de la mission, dans la première saison. D'ailleurs, je rigole comme un con, mais bon. C'est même pas drôle, en plus. D'ailleurs, c'est même honteux. Mais comme un idiot du village, j'ai tué un des protagonistes de la mission de l'archéologue. On va la faire, vous inquiétez pas. Et résultat, eh ben, mission annulée. Elle buguait. Enfin, je sais pas si c'était bugué, mais on pouvait pas la terminer. Résultat, ben, c'était 40 000 points d'offrande dans le cul. Oh, regardez-moi ça, ils sont déchirés. C'est drôle, hein. Bon, ils s'en foutent. Ouais, c'est ça, les mecs, ouais. Placez-vous correctement, ouais. Allez, en rang par deux, s'il vous plaît. En rang par deux, oui, oui, oui. Tout à fait. Ils tirent plus? Non, il tire plus. Il tire plus. Bon, Wolfgang. Ouh, tu es... Oula, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es en malnutrition ou quoi? C'est quoi cette espèce de bassin, là? On dirait qu'il a même pas de... On dirait qu'il porte un corset, le pauvre. Un corset. Il porte un corset. Corset. Oulala, mais il va falloir arranger ça, là. Il va falloir que tu bouffes un petit peu plus, là. Tu fais peut-être le bien, mais bon... Il me ressemble. Non, c'est... Peut-être pas non plus, mais... Voilà, tu vas me bouffer 3000 unités de grains. Tu vas voir que ça va te faire grossir, mon gros. Ouh là là, et le drapeau est encore... La laisse est encore buggée. Tu es rassasié. Bah oui, j'espère que t'es rassasié. Du coup, je t'ai même pas fait un enclos. Je t'ai pas fait d'enclos. Bah, je suis désolé, mais bon, tu vas devoir pioncer par terre, hein, comme d'hab. Hop. Je vais pouvoir relier par ici, c'est parfait. Gna 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 gna. Voilà. Objectif accompli. Et ici, on va pouvoir faire un nouveau quartier. Oh, génial. Génial. Du coup, ce qu'on fait... Mais pourquoi, par contre, je perds du prestige? Ça m'énerve. Si je fous un temple ici... Hey, wake up. Oula, ça c'était mon TS. Je crois que c'est Yanamu qui m'envoie des hey, wake up. Sauf qu'il va aller se faire voir. Parce que j'ai pas fini. D'ailleurs, je commence. Ah non, mais du coup, c'est nul de mettre un temple ici. Ah ouais, non, mais ça me fait me perdre la masse de prestige. Je regarde, ouais, ici c'est. Bon. Je peux pas le mettre. On va le foutre là. Bon, je sais que c'est pas le meilleur endroit. Mais si ça peut... Mais pourquoi je perds du prestige? Attendez. On ne s'énerve pas dans ces cas-là. Il faut regarder ici. Qu'est-ce qui se passe? Nya, variété des bâtiments, on s'en fout. Mais je comprends pas, pourtant. Pourquoi j'ai pas de prestige? Pas... Ah! Mais c'est ça, c'est cette garnison d'archers à la con. Eh oui. Casse-toi. À tous les coups, c'est pas ça. À tous les coups, c'est pas ça, je suis sûr.
à tous les... Parce... Par contre, mes archers sont toujours vivants. Ouais, ça c'est bon. Du coup, si je mets ça là... Ah bah voilà. Mais si, c'est... J'arrive pas à parler. Il est tard, faut comprendre. C'était ce truc à la con. D'accord. Eh ben, fallait comprendre. C'était cette garnison de mes deux. Oula, j'ai posé ça n'importe comment, c'est pas très grave. Du coup, ici, je suppose que... Non, toujours pas, mais non. Non. Je me suis fait couiller. Mais pourtant, les quartiers riches, c'est censé... C'est censé faire le bonheur. Décidément, c'est horrible, j'arrive pas à parler du tout, du tout. Non, je... Alors là, c'est mystère, hein. Mystère, mystère. Je perds du prestige. Ouais, oh non, tu vas pas me faire chier là, hein. Oh. Bon, d'accord, hein. C'est bon. Du coup, on va... Non, mais sérieux, je perds 110 de... C'est n'importe quoi. Le pire, c'est que je vais bientôt conquérir une autre ville, alors ce serait un... C'est un peu con, là. Ici, vous faites bien démembrer. Bah écoute, on va faire la mission de l'archéologue, c'est parti. J'adore ce petit bruit. Aujourd'hui, nous sommes sur la piste des ruines de Zantora. Mes recherches me poussent à croire que le tombeau est situé sur cette île. D'accord. Il y a une ancienne rune cachée quelque part non loin du campement. Le mec, elle nous mènera à l'endroit où se trouve le mystérieux édifice. Commençons notre expédition. Je crois que la première des runes que nous recherchons est tout proche de l'endroit où nous nous tenons. D'accord. D'accord, d'accord. Bon, bah alors cette fois je vais tuer personne, hein. En grattant le sol autour du camp, vous finirez peut-être... Ouais, je vais tuer personne. Je vais éviter de prendre les rochers, je ne vais toucher à rien. Ils sont invincibles. Ah cool, ils sont invincibles. Ouais. Oh, c'est tellement jouissif. Oh là là, c'est tellement jouissif. Tellement jouissif, je fous le bordel dans leur camp. Alors, bah ça gratte, hein. Là ça gratte, hein. Ça gratte bien, hein. Ça gratte bien là. Je veux dire, c'est possible, hein. Ah, voilà, oh là là. Par contre, je me souviens absolument pas de la position des runes, hein. C'est fou, à chaque fois que je refais cette mission, c'est catastrophique. Il y a un texte ancien. Oh, je vais le traduire. Le texte ancien. Il y est écrit à la base de l'arbre solitaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, mais à mon avis, ça parle d'arbre. L'herbe solitaire, qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Oh, l'herbe solitaire. Oh, la deuxième rune. Non, ça le fait pas, la rire diabolique. Nous l'avons trouvé. Oui. Rassemblez-vous, je vais traduire. Il va traduire. Il est écrit que quand le soleil est endormi... Le rocher solitaire détient la clé. Ah oui, c'est lui qui m'avait fait chier. Je sais pas pourquoi, là, il a un petit problème d'élocution à ce moment-là. Bon, alors là, c'est Yanami, il m'avait incendié. Si je me souviens bien, il m'avait juste incendié pour cette mission. Alors normalement, si je ne dis pas de bêtises, il faut se mettre pile ici. Voilà, à nuit, quand il y a, quand tout le monde pionce. Et c'est juste là, normalement. Non, c'est pas là. Non. C'est où? Oh putain, c'est où? Le problème, c'est... Oh putain. Le rocher solitaire. Ah, c'est là. Voilà, c'est là. Pshou, j'ai failli pas réussir. C'est bon. Oui, nous approchons du but. Voyons ce qu'il y a écrit.
trouver le point reliant les tâches passées. Une énigme difficile. Ah oui, c'est difficile. Juste après nous avoir filé l'explication, il commence à parler un peu comme un débile, là, c'est bizarre. C'est très étrange. Du coup... Oh merde! Oh, quel con. J'ai pas écouté l'énigme, je m'en souviens plus. Quel bisu. Ah si, c'est bon, on peut les voir. Trouver le point reliant les tâches passées. Une énigme difficile. Ils vont le payer. De quoi il parle? Oh, nous avons conquis. Ouais, j'ai capturé la ville des pestiférés, génial. Bon, alors reprenons. Alors, normalement, c'est ici. Il faut retourner en arrière. C'est dans ce coin-là. Je suis certain. Ah non, attendez. Attendez. À moins que ce soit par ici. Je m'en souviens plus. Eh, regardez, je fais pousser les fleurs. Ouais, peace and love. Faites l'amour, pas la guerre. Flower power. Bon. C'est sûr de dire des conneries. Alors, trouver le point reliant. Le point reliant. Je vais t'en donner, moi, des points reliants. Hein. Oups. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah putain, non. En fait, je crois que c'était pour. Oui, non, c'était pour celui-là. Mais c'est pour celui-là que j'en ai chié, en fait. Le point reliant. Alors, putain, c'est bon, c'est parti. Ça va encore me saouler, je le sens. Attendez. Il y a écrit, très précisément, trouver le point reliant les tâches passées. Le camp, l'arbre solitaire, et le rocher solitaire. Ben, c'est ici, quoi. Mais est-ce que je peux les prendre, au moins? Non, je peux pas les prendre. Oh, y'a plus de respect. Oh la racaille. Moi je déchire vos arbres. Le problème c'est que... Alors effectivement... Oh c'est là. Oh le coup de luck. Putain le bougre. Et pourtant je suis passé ici hein. Ah saloperie. La voilà. La dernière rue. L'autre il est. Elle montre le chemin menant au. Mec en bas à droite il est fun. Il gratte dans le vide. Ah voilà, alors là c'est là que je vais tuer personne. Nous y voilà. Les ruines doivent se situer sous ces imposants rochers. Il nous faudrait la force d'un dieu pour les déplacer. Impossible d'examiner ces ruines pour le moment. Vous pourriez déplacer ces rochers? Non. Je me demande si quelqu'un finira par s'intéresser à ces ruines. Non, j'ai pas envie. Donc là, alors là, attention. Voilà, on déplace les rochers bien gentiment. On ne tue personne, même si ça donne très 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 envie de tuer. Ça démange. Ah, je peux vous assurer que ça démange là. Oulala, ça démange. Appuie pas sur les clics gauche. C'est bon. Phew. Voilà, je ne pourrais pas faire la bêtise, l'ultime bêtise. Les voici. Oh, les ruines de Xantora. Xantora. Oh, je ne pensais pas que ce jour arriverait. Je peux mourir heureux. Bon, alors c'est pas grave si on l'explose, hein, boss. Ah, oh, carrément, ouais. Bien joué, patron. Vous avez rendu service à la communauté archéologique. C'est pas grave si on l'explose. Là, c'est ce que j'avais fait dans la première saison, mais ils avaient pas apprécié. C'est-à-dire que maintenant, je peux les assassiner. Oh non, putain, je suis deg. Je pourrais le faire que à la fin. Flûte. Bon, en attendant, eux, ils vont migrer. Oh, génial. C'est génial. Eux, ils sont là. Bah... Ils peuvent pas rentrer, ces idiots. Regardez-moi ça, ils sont... T'es, y a combien de mecs, là? Oh. Wouah, y'a combien de bataillons? Chaud. C'est chaud ça. D'ailleurs, je regarde mon alignement, il y a 99,3. Oh, c'est parfait. C'est parfait. Le temple ici va bientôt être construit. Du coup, je me suis pas trop occupé de ma ville. Mais bon, je suis heureux là. Ouais, je suis heureux. J'ai réussi à faire la mission d'un seul coup. Et en plus, j'ai résolu ce problème de micro à la con.
Ah là là, non mais rien que ça, attends, je vais passer une bonne nuit là. Là, j'ai passé une bonne nuit là. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Aussi, petite information dont vous avez sûrement complètement rien à foutre. Mais je me suis acheté une manette Xbox pour PC et c'est la révolution quoi. Non mais là, je le dis, c'est la révolution. Je redécouvre certains jeux. Mais vraiment, hein. C'est chaud, hein. Par exemple, les jeux de voiture du style Need for Speed, Grid, et autres conneries comme ça. Ou même pour les jeux, des jeux comme, par exemple, Batman, Arkham Asylum, pour ne citer que lui, où c'est juste impossible de jouer au clavier, enfin, c'est juste horrible. Mais je peux vous dire que, mais ça change tout, en bon. Après, je vous cache pas que c'est un petit peu cher, mais bon, c'est vrai que comme j'avais entendu là, partout, c'est la meilleure manette qui existe pour PC. De toute façon, elle est reconnue partout. C'est celle qui est le plus utilisée et c'est celle qui est de meilleure qualité, forcément. Donc, c'est celle qui est la plus chère. Parce que c'est sûr que si vous achetez une manette pas très haut de gamme, enfin, assez bas de gamme d'une marque du style Thrustmaster, même si Thrustmaster, bon, ça va. Ils font pas non plus la merde, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi, on va dire. Mais, voyez, qui coûte une manette comme ça, qui coûte 20 boules, et au bout de 2 mois, elle est déjà morte, voilà, quoi. Alors que là, Microsoft, tu sais que c'est fait par Microsoft, donc niveau compatibilité avec Windows, c'est juste top. Et puis, même, la manette Xbox est très réputée pour être super ergonomique, et puis voilà, quoi. En plus j'aime beaucoup son design. Voilà, bon, je viens de vous raconter ma life, mais c'est pas grave. C'était juste pour vous informer de ça, ce qui fait que je vais pouvoir jouer à des jeux auxquels je ne pouvais pas avant, puisque c'était juste horrible. Et je perdais tout le plaisir des jeux, quoi. Bon, c'est pas tout ça, mais bon, on l'a rien branlé cet épisode. Écoutez, je vous propose d'attendre que ces glandus-là se ramènent dans ma ville. D'ailleurs, est-ce que vous avez des ressources? Des ressources? 20 000 de bouffe, 16 000 de bois, ouh, 5 000 de minerais. Ben c'est parfait, ils vont remplir cet entrepôt-là comme il faut. 20 000, qu'est-ce qui se passe? Population 500. Ouh, c'est la teuf. 500 plus 48, ça fait 550. Ok, on aura 550 habitants. C'est cool. Par contre, moins 30... Je perds du prestige, c'est chelou. Il reste combien de prestige avant de... conquérir Tokugawa? Tokugawa, tu sais, genre la ville, elle s'appelle Tokugawa, normal. Normal, normal. Tokugawa qui est... Ouais, bah, voyez, il commence déjà à tendre vers notre cité. Regardez-moi ce lever de soleil. Nous battons pour l'honneur et pour nos vies. Il fait très beau en ce moment chez moi, ça fait plaisir. Non, parce qu'en fait, je vois ce lever de soleil qui est particulièrement joli, avec la lune qui descend et le soleil qui monte. Et ça m'a fait penser à ça. D'ailleurs, j'y pense, c'est la fin des vacances pour certains d'entre vous. Ça doit être la zone A peut-être. Ouais, ça doit être la zone A ou B, je ne sais pas. Peut-être, ouais. Bref, c'est la fin des vacances. Résultat, moi, vu que je suis dans la zone C, mes prochaines vacances sont déjà, vous rendez compte, déjà dans 3 semaines. Déjà. Et je finis les cours, je passe mon bac dans 2 mois et demi. Je n'ai absolument pas vu l'année passée. C'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est fou. Je suis désolé si je fais bouger le micro, mais il y a plein de poussière sur mon anti-pop. Anti-pop. Mon anti-pop. Bon, du coup, ça me floude là sur TS, là, je veux dire, là, ça, je vais péter un câble. D'ailleurs, je vous invite à aller sur TS, hein, sur les SimCity, si vous y pour jouer, hein, pour parler entre vous, puis pour parler avec moi si j'y suis. Bon, là, par contre, c'est vrai que cette semaine, j'ai vraiment... Ouais, j'ai pas eu beaucoup de temps. Je suis désolé, je comptais jouer vendredi, mais bon, j'ai dû aller... Bon, je vous raconte encore ma vie, mais bon, à la fois, on s'en fout. Au pire, vous en faites ce que vous voulez, moi, je m'en fous. J'ai dû... Enfin, je devais aller changer de lunettes. Résultat, ça a duré 3 heures. Puis à la fin, j'avais la flemme, quoi. J'ai joué un petit peu le soir, mais évidemment, il y avait personne à ce moment-là, à part Uli. Uli était là. Mais bon, voilà. Il y avait personne. Donc, du coup, je vais essayer de jouer un peu cette semaine, si j'ai le temps. Mais là, ouais... je commence à avoir du boulot et puis bon, j'avais des rendez-vous
Donc voilà, ça m'a pourri un peu des après-midi, puis j'ai pas forcément envie de jouer à SimCity tout le temps, sinon ça va me lasser. Mais bon, je vais essayer de jouer un petit peu plus cette semaine, voilà. Hop, 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 hop. En tout cas, vous êtes très bon à SimCity, hein. Pour la plupart, vous avez fait des villes de malades mentaux. Moi, je galère quand même. Fermier. Mais bon, on peut pas être fort partout. Fermier. Bon, on va se laisser là. Bah, c'est parfait. Oh, c'est quoi ce tas de minerais là? Qu'est-ce que ça fout là, ça? 1000 de minerais. D'accord. Welcome! Yeah! 15 000, et c'est là-dessus qu'on va se quitter, les amis, sur ce beau 15 000 points d'offrande et sur ce bien, 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 bien. Oui, ça mélange les goûts et les biens. Bon, bref, on sait pas pourquoi. Donc, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Laissez un petit j'aime, un petit commentaire. Et je vous laisse apprécier le son sur téléphone. Si ça marche, s'il n'y a pas encore une couille. Donc faut pas que j'oublie de passer le son en mono et tout devrait bien se passer. Allez, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Bonne rentrée.